comme d'habitude. Alors, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons manger, boire. Et nous allons surtout partir à la chasse de l'ours. Dans cet épisode, donc, nous sommes ici. Abri de maintenance, on a un peu visité tout autour. On a tué déjà pas mal de... C'est quoi ce bruit ? On a déjà tué pas mal de loups, je crois qu'on en a tué 3 en tout. On a battu aussi 2 cerfs, on a récupéré la viande, donc on a pas mal de viande de côté. Nous sommes bientôt, encore une fois, j'arrête pas de le répéter, hein, la cuisine niveau 5, mais on y arrive. L'arc aussi, pareil, on y arrive. Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, comme on avait dit la dernière fois, c'est aller vers le lac. Et normalement il y a un ours qui est près du lac en fait, et aller tuer l'ours, chasser l'ours tout simplement. Pour un, récupérer sa peau, comme ça on la met, on la dépose dans l'abri, on la laisse sécher, vu qu'il nous faut au moins 10 jours pour la sécher. Et après, récupérer toute la viande, comme ça on la fait cuire. Et avec de la chance, on devrait pouvoir récupérer la cuisine niveau 5, et après on n'aura plus aucun problème honnêtement pour manger. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est ce que je veux faire. On va pas passer par là. Donc nous avons toujours 10 flèches. Alors, est-ce qu'on sort maintenant ou on attend qu'il fasse jour? Je dirais qu'on on devrait peut-être attendre qu'il fasse jour. Je pense que c'est le mieux. On va voir si on peut pas passer une petite heure. Genre, on a un livre, je crois. À la limite, hop. Une petite heure. Ah, on attend qu'il fasse jour. Il fera peut-être sûrement meilleur temps. Non. Vous avez vu le... Comment ça tombe, là, les étincelles et tout ça. Plutôt bien fait. Encore une petite heure. Juste pour que... On est peut-être un meilleur temps. Voilà, là il fait complètement jour. Ouh, on a du vent. Là je suis en train de me dire, on aurait dû peut-être... C'est vrai que j'aurais dû le faire, parce que normalement je vérifie tout le temps. C'est vérifier le temps avant de passer du temps. En fait. Enfin, c'est pas grave. Alors on va prendre du bois. C'est pour faire du feu. Le charbon, on va pas le faire. Ah, très bien. On y va. Ah, il fait froid, il fait froid. Ouais, je sais pas... Ok. Bon, par contre, il fait jour. Enfin, il fait jour, je veux dire. Il n'y a pas de nuages, rien. Donc, du coup, on va pouvoir utiliser la loupe. Si ça reste comme ça. Mais oui, sinon, c'est vrai que... Fait un peu froid. Il faudrait que l'ours se mette dans un endroit. Enfin, c'est dur hein, de placer les ours dans les endroits où on veut. Mais il faudrait, ouais. S'il se place bien, on peut faire un feu et après on le dépasse à côté. Mais on va voir un peu. Donc là-bas, on a toujours la carcasse de cerf. Là, on a toujours un loup qui garde le territoire. Alors, on va essayer de se tracer un peu. Tracer un tout petit peu. On prend ça. Ouais, on a déjà froid. C'est pas une grotte, ça. Ah, il est là. Il est là, il est là. Il est là. Donc, comment on va faire ça? Ok, il nous a vu. Ici, ça a l'air d'être un endroit pour une corde. Est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on pourrait se placer? C'est un peu risqué ce que je fais, mais... Ouais, c'est son endroit. Drive, get back home, warm up soon.
Ok, là on est pas mal. Ok, 2. 3. Ah, à côté. Ok, on lui a mis 3 flèches. Trois flèches, honnêtement, ça devrait être... Il devrait pas rester longtemps. Il devrait pas survivre très longtemps. Il faut qu'on retrouve sa trace. Faire attention, il y a toujours le loup sur la gauche. Et elle serre. On devrait regarder les traces de sang. Ah non. Mince, mince, mince. Je suis un peu merdé. Je dirais qu'il allait là-bas, mais... Ah, j'aurais dû regarder les traces de sang. J'ai voulu le faire à l'œil, mais c'est vrai que vu qu'on peut pas sprinter rien... Enfin, on peut pas trop sprinter, on le perd de vue, en fait, facilement. Et du coup, il est où, du coup? Où est-il passé? Pour moi, il est allé de ce côté, mais... Je serais pas surpris qu'il soit déjà mort. Là, c'est où on avait tué l'ours avec le cerf. Je commence à avoir froid. Oh merde. Bon bah ça y est, déjà on a plus la lumière, c'est cool. Oh là là, l'idiot, il est passé où? Là, j'avoue ne pas savoir. Ah, pour être honnête, des fois je trouve que les animaux courent trop vite. Enfin, quoi, quand dans un sens c'est naturel. Enfin, le fait qu'on puisse pas sprinter pas très longtemps la plupart du temps, à cause de nos vêtements et tout ça, c'est vrai que ça devient... Là, il y a des lapins. Ça devient vite un très très gros problème en fait. Pour les suivre de vue. C'est vrai que faut vraiment que je perde des fois cette habitude de le faire. Avance!
Oh, ça va m'énerver. Ah bah on avait eu 2 jours sans problème et tout ça où tout se passait bien. Maintenant on a... Maintenant on chasse l'ours. On perd sa trace quoi. C'est bien connu. Oh merde, il est juste là. On a toutes les flèches. Ok. Alors, attendez, il fait combien? Moins 21. Il y a du vent. Faut que je réfléchisse. Moins 21, il y a du vent. Enfin, il y a un peu de vent. Donc... qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait vraiment un feu à côté? Bon bah du coup bon ça va, c'est bien. Il est allé vers chez nous. On n'est pas loin. On a qu'à juste le. Il faudrait en fait pendant. Parce que c'est 2 heures je crois pour le découper. Donc il faudrait faire un feu pendant 2 heures. Ah, il fait froid là. Ah, du vent. Ah, pour que ça soit assez suffisant pour tenir les 2 heures en fait sans geler. Et après, nous, on le découpe en fait et on vient. On ramène les sacs et tout ça ici. Alors après, on pourrait faire autre chose. Ça serait prendre la viande petit à petit et la transférer. Mais le problème, c'est que ça va prendre 3000 ans de faire ça. Ça va faire que des allers-retours et tout ça, ça va être plus chiant. Non, le mieux, ça serait de faire quand même le découper directement. Et après, on le bouge. On peut même passer par là. Hop là. Ouais. Je sais pas ce que je suis en train de faire, là. Je sais pas, j'essaye de réfléchir pour la meilleure solution. Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, il y a du vent, on peut rien faire, donc va falloir attendre. Va falloir attendre que ça s'améliore. Va falloir simplement attendre que ça s'améliore. De toute façon. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est dormir. Genre dormir 2 heures, voir si le temps est mieux, ou alors 1 heure. De toute façon, on a de la viande de côté, ça va, on va pas... Enfin, quoique, ça va vite, ça. Ça va vite parce que... C'est vrai qu'on essaye de garder, de rester positif en calories, donc du coup, c'est vrai qu'on... Ça va quand même vite. On puise dans les réserves extrêmement vite. Toujours d'avoir du vent. Oh, accélérant. On va aller manger un steak. Bon, en tout cas, c'est bien hein, d'avoir le... L'ours devant chez nous, honnêtement, je pensais que... Oh mon dieu, ouais, regardez-moi ça. Ah, fait chier. Ouais, si on est protégé du vent, ça passe, mais bon.
va te protéger du vent. On va passer par l'arrière, on va voir. Après, si on peut déjà genre enlever la peau et déjà la déposer à l'intérieur, ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment bien. Je suis en train de me dire que j'ai envie de déplacer les peaux là-bas. Ça m'embête de voir les choses là. Désolé, mais ça, on peut le laisser. Mais ça m'embête de voir les choses sur ce sol là. Je préfère les mettre là. Là, il y a de la place. Là, il y a de la place. Très bien. Voilà. Rien d'autre, c'est juste le bois après. On avait pris le... le charbon, je pensais au charbon. On va passer par là. La carcasse doit être complètement gelée, oh la vache. Quoique. Non, c'est trop froid. Ah, il fait trop froid. Là, on est bloqué à l'intérieur. Est-ce qu'on peut... non, on est bloqué à l'intérieur, on rentre. Mais bon, déjà on a fait ça c'est déjà bien. Voilà, on a déjà fait une bonne chose. Une bonne chose, c'est d'avoir fait l'ours. Le reste, on se débrouille. On va récupérer du bois. On va en mettre là. Enfin, on va reposer le bois. Et quand ça sera... quand il fera beau temps et tout ça, qu'on peut rester dehors et faire un feu, là, comme j'ai dit, de 2 heures, on récupérera le bois. Récupérer plein de petits bois en plus, c'est vrai, pendant qu'on était en train de se balader. Donc on re-rentre, on va casser des caisses, passer le temps, et puis basta. J'aimerais bien que, bon, on arrive à faire tout ça avant la nuit, parce que j'ai pas trop envie d'attendre encore un jour. Je regarde s'il n'y a pas des trucs que j'aurais loupé. Ah là. Non, rien. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de cet endroit-là, donc on peut quand même passer à côté de certaines choses. Là, on a fait toutes les caisses en haut. Je suis en train de me demander si ça vaut le coup de casser ces caisses. Je suis en train d'imaginer en fait quelle caisse pourrait contenir des choses en plus. Genre à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire? Alors, quelle caisse pourrait contenir des objets? Ouais. Bon. Ok, ça s'est calmé. Après, je voudrais pas qu'il fasse trop froid non plus, parce que faire un feu de 2 heures, honnêtement, ça demande pas beaucoup de bois, mais le problème, c'est la chaleur du feu. C'est vraiment ça.
On a un beau temps. C'est reparti. On y va, il fait pas froid. Enfin, je dis ça, hein. Façon de parler. Hein. Après, on était à l'intérieur, donc ça, je sais pas, je pense qu'il fera froid quand même, donc je dis. Non, j'y arrivais. Ah, quoi que non, hein. On a l'air d'être bon, hein. Attendez, là ça serait 2 heures pour le découper. On découpe à la scie. On est à 2 degrés. On teste ou pas? Moi je dis pourquoi pas. Quoi? Ah, c'est parce qu'il est gelé, c'est ça? Ouais, parce qu'il est gelé. Bon, allez. La moins 6, hein, c'était moins 7. Ouais, allez, go. Lâchette. Ok. Yes, on est bon. Ok, parfait. Yes! Ah, putain, c'est bien. Ah mon dieu, c'est bien. Ah la vache. Ah, il va commencer à faire nuit, faire gaffe. Du coup, alors, après on pourrait dire oui, j'aurais pu faire un feu directement à côté, faire cuire la viande et tout ça à côté directement. Pendant qu'on l'a... Ok, donc ça c'est parfait. Hop là. Faire cuire la viande pendant qu'on la découpe et tout ça. Mais c'est quand même plus safe de juste prendre les sacs de viande directement. Et nous, on va faire un feu à l'extérieur, là. Ah, par contre, elle est fatiguée. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on pourrait faire... vous savez, genre, on fait cuire et on dort 1 heure. Et au fur et à mesure, et on avance. On avance comme ça. À la limite. Ah ouais, c'est un tout petit peu drôle. C'est un tout petit peu drôle. Bon, 2 par 2 les sacs, 2 par 2. Attendez, on peut passer par là. Directement. Oh, est-ce qu'on peut les faire passer par la fenêtre? Attendez, j'ai une idée. Ah putain, ça marche pas. Prends ton sac. La première fois que je fais ça. Ah, c'est cool qu'on puisse pas le déposer de l'autre côté. C'est trop loin en fait du sol, je crois. Ah, vous voyez que le temps se gâte? Donc on a très bien fait. Ah, c'est pas que ça se gâte énormément, c'est juste qu'il y a du vent en fait. Ouais, non, je pense que c'est les structures qui faisaient ce bruit là. Je pense que c'était les structures en métal.
pas rassuré en fait. Je suis pas méga rassuré. Non, oui, non, si, c'est les structures, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. Des fois, j'ai un peu du mal à identifier les sons. Je suis pas trop sûr pourquoi. Ok, alors je voudrais qu'on dorme en même temps, donc je crois que le feu, on va devoir le faire... On va devoir faire un feu supplémentaire, genre dans le coin, là. Je crois que c'est mieux. Là, c'est à 80%. Ouais, je crois que ce sera mieux. Donc on va faire un autre feu. Ouais, on a sûrement... bien sûr, on peut pas utiliser le... Genre là, c'est parfait. Ouais, non, là c'est parfait, là, c'est bien. Comme ça, nous on va pouvoir dormir à l'extérieur, là, sur le lit. Pendant que ça cuit. Ah, là, on fait du bien. Là, on fait du très bien. Voilà. Bon, bah, voilà, notre... Je vais être honnête, hein, mais notre journée elle est bouclée là. Ça va être faire cuire l'ours là et c'est bon. Il n'y a rien d'autre. Perfect. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a strictement rien d'autre à faire. Je suis en train de me dire, l'été on les change ou pas? J'aime bien mettre toujours deux thés côte à côte dans le feu. Très bien, ça s'échauffe, c'est très bien, on est bon. Voilà. Donc, ça on boit un peu. Alors, comment ça marche déjà? 15 minutes. Une demi-heure. Voilà, très bien. Une heure cinq. On le fait à la main, comme ça on n'utilise pas d'outils. Ah, ça c'est bon. Là il y a 0,6. Ok. Ça, ce sac, il est fait. On va le laisser là. Maintenant on prend un autre. Bouille dans 30 minutes, très bien. Par contre faut qu'on mange. Vous voyez, parce qu'avec les gros steaks d'ours en fait, ça prend une heure à cuire. Donc du coup, honnêtement, pour nous c'est bien parce qu'on dort une heure. On attend que ça cuise, etc. Là je vais juste faire de la... de la nourriture un peu d'avance, enfin des steaks d'avance, et après on va se reposer quand même. Voilà, très bien. Ok, l'eau est bonne. Ok, une heure. Quoi que non, on va la laisser là. Une heure. On va jeter un litre d'eau. On a le feu pendant... Ok, 3 heures, une heure, on va dormir une heure.
c'est pas mal comme ça. C'est, je pense qu'on est bien là. Vous voyez que donc là en fait on va rester bien reposé, puis après en plus on dort à l'extérieur, donc il n'y a pas le mal de l'enfermement. La viande se fait très vite, enfin en une heure quoi. Très bien, elle est pas fatiguée. Vous avez vu que les sacs sont deux fois plus lourds à peu près. Il y a genre là, il y a 2,6 kg de viande, mais le sac valait 5 kg et quelques. Genre là, il reste 0,6 et il vaut 1,16. Voilà, très bien. Très très bien. Ça se passe nickel, faut juste faire gaffe au feu. Et après on aura des steaks de 1080 calories. Ok, 2 heures. Le charbon, je pense pas qu'on va l'utiliser. Je l'ai pris par erreur, hein, mais je pense pas qu'on va l'utiliser de toute façon. Parce que sinon, ça va nous... Enfin, c'est... Je dis pas que c'est mal, le charbon, mais je préfère le garder quand on fera des outils, comme d'habitude. On va dormir une heure. Quand on fera des outils, c'est mieux de garder le charbon de côté. Parce qu'on va devoir refaire des outils à un moment ou à un autre. Très bien. Et après, les 06, on les récoltera peut-être, mais pas sûr. On a quand même beaucoup de viande à récolter. Je... faire qu'une heure de dormir. Vous voyez, à chaque fois on fait 4 steaks. 4 steaks, après on dort une heure. 4 steaks, dormir une heure, etc. etc. Voilà, comme ça elle reste en pleine forme. Par contre la nuit va passer. Je pense qu'on va devoir dormir une partie de la journée parce qu'elle va pas être reposée au maximum. Elle va pas être reposée au maximum, mais c'est bientôt la fin. Voilà, regardons un peu. Ah oui, sinon on est passé donc tir à l'arc niveau 5, donc maintenant instabilité de l'arc moins 75%, dégâts des flèches 25%, chance critique plus 50, temps pour que les proies se vident de leur sang moins 50%, dégradation des états de l'arc chaque utilisation moins 50%, et maintenant on a sa possibilité de tirer à l'arc en position accroupie. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Donc ça c'est vraiment vraiment top. Ça nous aide énormément. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se rapprocher des... genre des cerfs et tout ça. Et ou des lapins. En étant accroupi, on va pouvoir leur tirer dessus directement quand ils sont accroupis. Vraiment 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 cool. Ah, même pour les loups. Même pour les loups, comme ça ils nous détecteront pas. Donc ça aide vraiment. Ça aide énormément. Je suis pas sûr que je peux faire beaucoup plus.
Là on fait du bien, là on fait du très très bon. Hein, après on a encore un peu de viande de côté, mais j'espère qu'avec tout ce qu'on a là, honnêtement on devrait passer au niveau là. On a récupéré tous les boyaux, on a récupéré toute la viande, on a récupéré la peau. C'est vraiment top top top. Là, je suis content. Et après, maintenant on pourra explorer. Honnêtement, on est tranquille pour aller explorer après. Il y a peut-être un peu d'eau qu'il faudrait faire. Le truc, c'est qu'il faudrait, honnêtement, il faudrait un faitout supplémentaire. J'ai entendu le bruit. Non, c'est... il faudrait un faitout supplémentaire. Et comme ça, on fait un peu d'eau. Mais bon. Enfin, l'on fait de l'eau rapidement, vous voyez, à chaque fois c'est 2 kilos, 2 litres, 4 litres, pardon. Ok, encore 2 heures, on va voir combien il y a. Il nous reste quoi, encore un sac. Il nous faudra encore un peu de bois. Ah, très bien, on va déposer ça. Le feu est à 40 degrés. Très bien. 39. J'ai un peu peur de vouloir regarder le niveau là de la cuisine. Ça va me gâcher. J'ai l'impression qu'on devrait l'être là le niveau. Ouais. Y a aussi la carcasse, récolte sur carcasse qui augmente pas mal. Je crois que quand on récupère la viande des sacs, je crois que ça compte. Si je dis pas de bêtises. Ouh. Il y a un effet sympa. Si on regarde. Allez, on va regarder. Ouh, bientôt, bientôt. Alors, récolte sur... Ah oui, non, mais la carcasse, c'est vrai qu'on est niveau 5, je suis bête. Bon, ce que je voulais vérifier, en fait. Mais vu qu'on est déjà au max. Donc c'est les derniers steaks là, c'est ceux-là. Donc après maintenant je crois qu'on va... après c'est ça, qu'est-ce qu'il nous reste, un sac ou pas? Non, il nous reste pas de sac. 32 minutes. Ça sera des... On va mettre les petits steaks ici. On les fera cuire si vraiment on en a besoin. 10 minutes. Eh, il fait froid quand on n'est pas à côté du feu. Il fait très très froid quand même. Sont là quand on repose l'objet. Encore une heure. Ah, j'ai l'impression qu'on va devoir faire ces petits steaks à la con aussi. On va devoir les faire cuire. Et honnêtement, c'est plus perte de temps qu'autre chose. Ok, 3 ans, ça. Vu tout ce qu'on a.
Le seul problème, c'est qu'on va jamais rester aussi longtemps. Enfin, après, oui, comme j'ai dit, vu qu'on va pouvoir se goinfrer tout le temps, peut-être que ça va aller plus vite quand même. Ça, c'est le petit steak. Ah, très bien. Ok. Donc maintenant, il n'en reste plus qu'un. 30 minutes. Ah, très bien. On a 3 litres d'eau, on a 1 litre là. On a là, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? On a les allumettes. Les allumettes, on en prend des allumettes? Pas non, ça va. On a la batterie. La batterie, c'est combien de temps pour la détruire? C'est action recyclée, 30 minutes. La batterie fait 15 kilos. Bah du coup, on va la... Enfin, très... recycler maintenant. Voilà. Yes, cuisine 5, ça y est. Yes. Oh, c'était pile, pile, pile. Cuisine 5. Les aliments cuits rapportent 25% de calories en plus. Aucune perte de calories quand vous forcez une conserve. Délai de cuisson moins 30% et vous ne courez plus aucun risque de parasites ni d'intoxication alimentaire. Yes. Enfin. Donc c'est bon, on peut tout manger. On peut absolument tout manger. Il y a encore 2h30. Yes. Voilà, ok. On a 6 et 1,5 kg, c'est très bien. Là, ça c'est très bien. Oh, la musique, tu veux être un peu plus gay, s'il te plaît? Parce que musique d'horreur pendant que je fais à manger, honnêtement, c'est pas top. Donc on peut manger ça pour récupérer des conserves si on veut. Mais honnêtement, c'est peut-être pas très utile. Quoique dans un sens, pour faire du... C'est combien ça? Je crois que c'est quoi? Je pense qu'on peut manger le rouillé, non? On peut manger ça rouillé? Je crois que oui, hein. Bah oui, non, on n'a plus de risque d'intoxication alimentaire. Non, ça va, mais bon. Très bien. Par contre, ah c'est ça que je voulais voir. Moi, c'est combien de temps, combien de poids ça prend le. Ça, c'est 0,15. Alors que le fétou c'est 1 kilo, je crois, ou 2 kilos. 1 kilo, hein, je crois bien. Fétou. Donc à la limite, on pourrait avoir 2 conserves. Comme ça, on fait du... Quand on ramasse des champignons et tout ça, on utilise les conserves et pas le fétou. Mais bon, le fétou, ça sert pour faire beaucoup d'eau d'un coup. Donc bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le problème de... C'est un peu le problème. Parce que si on veut juste faire du thé, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup mieux d'utiliser des conserves recyclées, en fait. C'est beaucoup moins lourd et on peut emporter 2 du coup. Donc on fait des thés facilement. Mais le thé utilise de l'eau. Donc à un moment ou à un autre, on va plus avoir d'eau. Donc il va falloir faire de l'eau en masse. Et de l'eau en masse, bah, c'est mieux de le faire avec un fétou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est embêtant ça, non? Je sais pas. Je sais pas. Après, on peut faire un. Ouais, j'en sais rien. Non, moi honnêtement, je préfère avoir le fétou. Je préfère vraiment avoir le fétou. Ça nous laisse plus d'options. 15 minutes, 4.
Alors, fait... Ah oui, c'est les torches que je voulais voir, ça, on va recycler. On est à moitié de journée. Les flèches sont bonnes. L'arc est bon. Alors, ce qui veut dire que maintenant, comme j'ai dit, on peut manger... On peut complètement manger des loups et tout ça. Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir complètement se balader. On va pouvoir complètement se balader où on veut. Et à chaque fois qu'on tue un loup, on va pouvoir complètement récupérer sa viande et le manger sur place. Genre on va pouvoir faire ça. Et là maintenant on va pouvoir se déplacer en fait tout le temps si on veut. C'est vraiment vraiment bien. C'est vraiment vraiment bien. 1125. On les fait cuire ceux-là ou pas du coup? Bah ouais. Oui oui, enfin pourquoi pas. Ouais. On a encore 2 heures de feu, là on a 30 minutes, 30 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant 30 minutes? Qu'est-ce qui nous donne 30 minutes? Les livres, c'est 1 heure. La couture, je crois qu'on a besoin de rien faire. On n'a rien qui peut faire 30 minutes. On va se balader? On va se balader. Ouais. On va aller se balader, on va voir si on peut pas récupérer du bois. On va aller voir si... Normalement il n'y a plus de traces d'ours donc... pas de plumes, mais peut-être qu'on va aller là-bas. Voilà, tout a été effacé. Faut qu'on aille voir la grotte aussi. Il fait pas froid par contre. Ok, il fait froid maintenant. Pas très froid. Ah ça y est ça. Ok ça y est, il commence à faire froid. Donc on récupère une peau en plus. Vous avez vu aussi le coup de l'arc, le coup des flèches. On lui a fait tellement mal à l'ours. C'était quoi, 4 flèches? Quelle flèche et il est mort? Non, non, la quatrième on l'a loupé. 3 flèches. 3 flèches et il est mort du saignement. Très bien. Voilà, ça c'est très très bien. Et là on a tous ces boyaux là. Je pense qu'on partira quand les boyaux seront tout secs. Comme ça on pourra peut-être les utiliser et... Genre on pourra réparer nos vêtements. Faudrait qu'on récupère plus de peau de cerf. Ouais, il faudrait qu'on récupère plus de peau de cerf. Comme ça, quand on quittera cet endroit-là, ce qu'on fera, c'est... c'est tout simplement... qu'est-ce que je veux dire? Tout simplement... oui, réparer nos vêtements en fait, les bottes, le pantalon et tout ça. Parce que se trimballer avec...
avec plein de plein de boyaux, c'est pas vraiment l'idéal, hein, surtout si on doit rentrer, parce que Muskegmorn, honnêtement, c'est... Muskegmorn, c'est un peu l'endroit que j'aime pas vraiment. J'aime pas trop y rester, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a un loup, là. Il y a un loup, là. Non. Ouais, comme je disais... Muskegmorn, c'est un peu la trappe couillon. Il y a beaucoup, beaucoup d'ours. Enfin, il y a des ours, mais il y a beaucoup de loups. Et sur tout le chemin, honnêtement. Donc, me trimballer avec 50 boyaux, non. Donc, autant les utiliser, en fait. Autant les utiliser avant de partir. 1h30. Donc là, fourrure c'est bon. Fourrure c'est bon. On va aller dessiner là. Très bien. Ok, très bien. J'ai envie de couper du bois là, vu qu'il fait bon. Qu'il fait pas très froid. Ça, très bien. Je stresse un peu. Je sais pas pourquoi, mais... Je vais être honnête, je stresse un peu. Mais ça se passe bien. Donc je suis en train de me dire... On va peut-être avoir une surprise. Bon, après, il faut être honnête, ça se passe bien parce qu'on joue bien. Ah, on est très stratégique dans tous nos déplacements. Dans tout ce qui est... Genre par rapport à la nourriture et tout. Donc, oui, enfin, c'est pour ça, hein, que ça se passe bien. Attention. Pas comme si on avait de la chance qu'on faisait n'importe quoi non plus. On a de l'expérience, on fait extrêmement attention à tout ce qui se passe. Ah, aussi une chose, les loups vont sûrement revenir. Ici. Donc, va falloir faire attention. Mais les loups vont sûrement revenir à un moment. Bouille dans 11 minutes. Très bien. La carte. Alors, on avait vu qu'on pouvait mettre une corde sur cet endroit-là. Alors, je suis en train de me demander si on n'irait pas la mettre. Je suis pas trop sûr, en fait. Ouais, non, mais par contre, elle est fatiguée.
Non. On va pas s'aventurer parce qu'en fait on va la fatiguer. Vous voyez qu'il est à peine quoi, allez, 1h, 2h de l'après-midi. Et elle est un peu crevée. Donc il faudrait qu'on... Potable, très bien. Il faudrait qu'on dure suffisamment longtemps en fait. Je crois que la viande elle va brûler. Quoique maintenant on a cuisiné niveau 5. Ah c'est bon, ça marche. Eau potable dans 22 minutes. Faut la faire tenir en fait jusqu'à la nuit. Et faut qu'on dorme pendant la nuit. Comme ça on sera bon pour repartir là en pleine journée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'on a un beau temps là, ça donne envie d'explorer en fait. Ça donne vraiment envie d'explorer. Oh! On récupère la chaleur d'ici. On peut complètement casser ces caisses en fait. Sans problème. Haha, énorme! On peut complètement casser toutes ces caisses. Si on veut. On va pas le faire parce que ça... C'est la hache à chaque fois. Cette musique à chaque fois. Alors 8 minutes, 19 minutes. On est ça. Très bien. Dormir 1h. La viande sera prête. Bouille dans 20 minutes. Ben voilà, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Ben rien du tout, honnêtement, tout se passe très bien pour le moment. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est faire bouillir. Non, on va continuer à faire de l'eau, ça nous en fera de côté. Ça, on va le passer. Voilà, on va en faire. À 10 minutes. Très bien. On a pas mal d'eau de côté. On va la mettre où, l'eau? Qu'elle va mettre là. Très bien. Très très bien. Voilà, ça c'est fait. Ouais. Désolé, je sais pas trop quoi dire. Là, je suis en train de réfléchir, en fait. On fait tout l'été. Donc, comme ça, on aura tout ça. Et ça, ça nous aidera, nous, pour se déplacer. Parce que maintenant, vu qu'on va se déplacer souvent, car la nourriture, c'est pas vraiment un problème. Comme j'ai dit, on va manger du loup et tout. Et les loups, c'est une pollution. De toute façon, il y en a partout. Du coup, on va devoir
utiliser pas mal de thé, j'imagine, pour pouvoir garder la chaleur en fait. Vous voyez, parce qu'on va faire des feux souvent, enfin plus souvent que d'habitude, manger les loups, si on trouve des endroits propices au campement, hein. Et à chaque fois, on va faire cuire des thés juste pour se réchauffer, juste au cas où, et on va avoir le bonus de la chaleur et tout. Je suis vraiment content d'avoir trouvé ce cache-oreille aussi. On a vraiment un très bon équipement. On a un très très bon équipement. Là, il y en a 3, là il y en a 2, 2. On a encore plein sur nous. ...125 calories à chaque fois. On va faire encore un peu de feu. Okay, encore une heure. Oui, dans 37 minutes, ça c'est bientôt prêt. Il va bientôt faire nuit, puis après on dort. Donc après, je crois qu'on va partir à l'aventure. Je dirais que... vu qu'on a la peau qui est en train de sécher, très bien de l'ours. Donc on va partir là-bas. Alors est-ce que je peux peut-être le montrer avec la carte? Ah bah ça y est, c'est fini. Peut-être avec la carte. Ouais, non, pas vraiment. Nous on est là. Là il y a le pont. Je crois que, si je me rappelle bien, ça fait longtemps que je suis pas allé dans cette zone. Si je me rappelle bien, ça fait une sorte de gros cercle, comme ça. Nous, on va partir comme ça et revenir après. Parce que vous avez vu quand on était près de l'ours, là. L'ours, il était genre là, il y a le lac. Là, il y a l'ours et il y avait une grotte. On a aperçu une grotte. Et le truc qu'on peut faire... Enfin non, non, ce que je voulais dire c'est que on a vu une grotte et après on a vu des collines en fait, hautes. Et il faut être sur ce plateau là en fait, sur les hauteurs. Donc c'est pour ça que nous on va devoir faire le tour et on va se balader. Je sais pas si j'ai été clair dans les explications. Vous verrez, vous verrez. On va passer le lac, on va sûrement passer par le pont qu'on a vu et on va monter et on va sûrement trouver... C'est quoi ce bois? On va sûrement trouver notre manoir et tout ça là. C'est le plus important. Et on va prendre des gros steaks d'ours. Grosse steak d'ours 1080 et les derniers qu'on a c'est... Ah bah je crois qu'il n'y en a qu'un. Ouais, est-ce qu'on a eu le niveau très tard. 1125 de calories pour un seul steak d'un kilo. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment vraiment bien. Là, le loup on a 840 et le gibier on a 960. Donc on prendra ce steak là quand on partira. On en prendra peut-être même d'autres. 825, 1080. On n'en prendra que deux pour éviter d'alerter les autres loups avec l'odeur. Faudra éviter d'alerter les autres loups avec l'odeur. Mais on va très très bien se débrouiller. Il faut qu'on avance un peu dans la nuit encore. Ah, on va peut-être reperdre le petit... la petite canette d'eau là. Ah, je crois qu'on l'a perdu. Ah, c'est pour ça que la conserve, faire de l'eau
dans d'une conserve, c'est quand même très très embêtant. À cause de ça. Ça, on va les laisser là, de toute façon, on s'en fout. J'aime beaucoup, moi, c'est quand on fait des... En gros, c'est notre récompense. Genre, on fait des explorations. Genre, à un moment, on était malade. Vous vous rappelez qu'on était malade. On a fait une exploration et tout ça. On en est ressorti vraiment beaucoup plus fort. Et là, on est parti en exploration alors qu'on n'était pas cuisine maximum, pas avec l'arc maximum. Et là, on ressort avec arc maximum et cuisine maximum. Donc, c'est vraiment... Ça donne encore plus d'une récompense, en fait, quand on ressort comme ça, je trouve. Donc, c'est vraiment bien. Ah merde, Hop. Ça, jeter. Oh, impropre. Je crois qu'elle a été, elle a disparu parce que ça fait, faut que ça soit 0,50 minimum, je crois. Donc, ah non, elle est là. Feels like night is coming. Ah bah du coup, je peux faire ça, non, non. Ah voilà. Voilà, ça a disparu. Très bien. Fondu dans 30 minutes la neige. Il faut mettre un peu plus de feu. Je crois que ça sera la fin pour le feu. Je crois que ça sera la fin. On va aller dormir. Bouille dans 40 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On va dormir maintenant? Ok, une heure. Ok, c'est bon. On va aller dormir. On va aller dormir, ça y est, c'est la fin. Ça y est, c'est la fin. On va poser 2 litres. Avant de partir, faudra penser à prendre le faitout. Le feu, on va le laisser là. Ça, on recycle. Ça, on recycle. C'est bon, on est plein, on est au max. On va dormir pendant 10 heures. Voire même 11 heures. De toute façon, elle va se réveiller, je pense. Toi, t'es bon. On a qu'à faire ça aussi. Je sais pas si ça passera. 47, oui, non, normalement, c'est bon. Quoique, on va faire comme ça. Oh, on a une belle torche. Une très belle torche. 39. Voilà, là c'est bon. Ce sera quand on se réveillera. On a de l'eau. On a tout plein de calories partout. C'est nickel. C'est nickel. On va dormir. Par où je passe, moi? Non, pas par où. Tada! Ah, je suis content, ça se passe super bien. Super, super bien. On a toujours nos 10 flèches. Ok, ouais, on a tout récupéré. On est bon. On a notre peau qui sèche. On a tout. Ok, c'est parti. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Prochaine fois, ce sera un peu plus d'aventure. On va se balader un peu plus. Et ouais, on va un peu voir s'il y a les maisons, tout ça, qui se trouvent autour, et récupérer tous les objets qui nous intéressent, puis après on rentrera ici.
Et puis une fois qu'on aura vraiment fait le tour et que l'abri sera plus ou moins... Enfin, une fois qu'on aura fait le reste de, de cette zone-là et qu'on sera retourné à l'abri avec tout ce qu'on a récupéré, les objets importants, ben on partira, tout simplement. On se cassera. Et puis, voilà. Voilà, tout simplement. On repartira au lac Mystère, puis après on ira à Milton, comme on avait dit. Voilà, voilà. À la prochaine. Ciao, ciao.